Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, mon dernier Battle Masters Siege, ici de la gamme série de trilogie War Frostbolt Run. Alors, on a un Twok ici qui est en pleine action, en train de tirer avec son fusil, avec ses lasers verts. C'est une des raisons pourquoi je l'ai acheté, ses beaux lasers verts. Orlando, il montre les deux modes, le nombre d'étapes. Il montre aussi que c'est un Decepticon avec un logo qui est assez incomplet. Et c'est le 44e de cette gamme-là, comme c'est indiqué ici, c'est aussi indiqué à l'avant. Et pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un repeint de justement Fire Drive, le premier Battle Masters que je vous ai présenté sur ma chaîne. Alors, vous pouvez voir ici une petite comparaison rapide. Fait qu'on remarque ici de la peinture de couleur silver qui ressort assez bien sur la fourche ainsi que les abdos, ainsi que ces genres de petites demi-sphères sur chaque bord. Ici, on avait tout simplement un rectangle gris pâle, admettons. Sinon, ici sur le torse, c'est peinturé. Gris foncé, le même ton qu'admettons les membres. Ici, et bien attention, on a du bleu métallique pour le visage, ce qu'on avait, mettons, rouge pour Fire Drive. Et Fire Drive, il y avait le symbole Autobot ici sur le front. Ici, aucun symbole de faction. Vos articulations de la tête ne pivotent pas, comme justement Fire Drive. Alors, les quatre membres sont sur un bas-joint, fait que vers l'avant ici, sur le côté, vers l'arrière, pour les jambes, c'est la même chose. Ici, sur le côté, et vers l'arrière, ça pogne ici, dans le backpack. Qui se détache assez facilement. Fait que ça reste un énorme point négatif. Comme ça. Fait que justement, le backpack peut former un fusil. Ici qu'on accroche justement dans le trou 3 mm. Pour faire un peu à la Megatron. Et une vent avec des effets laser qui sont les mêmes d'Emless. C'est juste ceux d'Emless étaient rouges. Ici on a vert. Ce sont les premiers effets laser qui sont verts. Simplement, et je les aime beaucoup déjà de base. En comparaison avec Spinisters, qui est le personnage qui est associé, oui, Singe et Earn, c'est Battle Masters. Et justement, son autre Battle Masters, c'est Air Splitter, qui se vendait avec le pack de Scarab que je n'ai jamais acheté. Fait que j'ai fait Air Splitters ici en custom. Fait que tous les membres sont mauves. Habituellement, le torse est bleu. C'est tout simplement mon deuxième blowpipe, puis je le trouve bien correct comme ça. C'est le personnage que j'en ai un peu rien à foutre. Maintenant, Spinisters, avec ses deux Battle Masters, là, il peut vraiment se défendre assez bien. Pour la transformation, on vient ici lever le gun au-dessus de sa tête. On pivote vers l'avant, ici justement la fourche. On clipse ensemble les deux jambes et on vient mettre les bouts des pieds ici justement dans ces trous-là. Comme ça, et on vient clipser les bras ici grâce à ces mini-pegs-là dans ces trous-là. On peut lui mettre dans la main de Spinisters, ici comme ça, fait qu'il est armé jusqu'aux dents, on peut bien entendu rajouter ses effets laser. J'adore ce Battle Masters-là, surtout à cause en dessous des pieds qui a les batteries de missiles, ce qu'on n'a pas, mettons, sur le moule de blowpipe, ici, mettons, fait que ça rajoute plus d'armes, c'est parfait pour le mode hélicoptère aussi, justement, de Spinisters, fait que... Très beau. Bien entendu, on peut le plugger ici, mettons, dans ce gun-là. Le gun de bras, simplement. Il y a deux trous 5 mm. Ça fait plus pour celle-là qui est à l'avant. Et bien entendu, celle-là à l'arrière, comme ça. Fait que ça ressort de même. Bon, je préfère dans les mains, là, tant qu'à moi. Là. Revoici Spinisters, cette fois-ci en hélicoptère. Alors, on peut faire comme le jouet G1, les plugger justement en mode hélicoptère. C'est juste aussi que le jouet G1, c'était ses seules armes. Ici, on a quand même ces deux armes-là. J'ai rajouté ce canon-là puis celle-là. Je vais en reparler dans une future revue. Fait que, justement, on peut venir les plugger en dessous comme ça. Bon. C'est G1, c'est pas mauvais, je trouve ça cool, mais c'est énorme, là. T'sais, surtout à cause des jambes là en dessous, là, c'est trop énorme. Pour jouer joint, ça fitait super bien. C'est pour ça que je préfère interchanger les armes, fait que les Battle Masters accrochés ici justement sur les côtés, comme ça, ça pète le feu. On se mentira pas avec tous les effets laser, là, ça pète en hostie. Par contre, il y a un défaut, c'est que la pomme d'hélicoptère, ben, ça touche ici le bras du Battle Masters des fois. Fait que, tu sais, ouais, tu sais. Mais au moins, il pète le fou, puis c'est déjà beaucoup plus beau de même tant qu'à moi.
Et j'ai trouvé un petit fan mode qui est sûrement le fan mode le plus incroyable que j'ai fait de ma vie. Admettons, il se fait abandonner par Spinster sur le champ de bataille. Il sait pas trop quoi faire. Il peut plus se faire tenir par un plus gros robot. Ben lui, ce qu'il fait, c'est juste tourner. Puis il devient une artillerie. Pour mettons un autre Battle Masters. C'est incroyable, ce fan mode-là. Sérieusement, là, je pense qu'Hasbro devrait m'engager. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Est-ce que je vous recommande sérieusement, moi je ne l'ai pas trouvé au Canada, fait que je l'ai pogné sur eBay au coût de 40$ avec les frais de transport, ce qui est extrêmement cher pour ce que c'est. Mettons je l'aurais trouvé au magasin, ça aurait été 8$, même à ça je trouvais ça trop cher. Fait que oui, 40$ c'est cher, fait que je vous recommande seulement si ça vous intéresse d'avoir un Decepticon, si ça vous intéresse d'avoir Spinisters complet aussi, avec ces deux Battle Masters, c'est quand même assez cool là, sérieusement. Aussi des effets laser de plus, pourquoi pas. Sinon, achetez-le pas, là, sérieusement. Bah, fait que c'est à peu près ça. Fait que, comme d'habitude, Magali Photo sur Facebook, le lien va être en description. J'ai pas mal fini les revues des sièges. Ce qui reste à vous montrer, c'est des kits. Fait que c'était ça pour la dernière revue, Singe. En plus, ce nom-là, Singe. What the fuck, il se transforme même pas en gorille, là, tu sais. En tout cas, bref, fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.